On va parler un petit peu plus business et on va regarder une vidéo incroyable où tu fais 1 million de dollars en 24 heures. C'est une vidéo qui a fait énormément le buzz. On va regarder un extrait ensemble. Ok les amis, on est en live. On va passer ce moment magnifique ensemble. On va dépasser les 1 million de chiffre d'affaires en 24 heures à l'aide d'une promotion Instagram. Ça va se passer dans les 20 secondes qui suivent. Et on a tout enregistré en live. Vous aurez sûrement un petit montage des chiffres qui augmentent. Parce que voilà, ça a été un rythme infernal toute la journée. Et voilà, donc on va dépasser plus que 100 dollars. Plus que 130 dollars. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, c'est fait, les gars. 1 million de dollars en 24 heures. On voit cette vidéo impressionnante où tu fais 1 million de dollars de chiffre d'affaires en 24 heures. Tu peux nous réexpliquer le projet parce que c'est une vidéo qui a fait le buzz et qui est extraordinaire pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ouais. En fait, j'ai filmé la première fois qu'on a dépassé les 1 million de chiffre d'affaires avec une promotion Instagram. Depuis, on l'a refait pas mal de fois. Mais c'était assez incroyable pour nous parce qu'à l'époque... Je me souviens plus, ça fait il y a longtemps, c'était quoi, il y a 2 ans, je sais plus. À l'époque, c'était du jamais vu de faire autant d'argent dans la sphère du business en ligne où j'étais, que ce soit aux États-Unis, en France, à Tombouctou. On n'avait jamais entendu parler de ce genre de chiffres. C'est des chiffres qui étaient réalisés à des multinationales, etc. Et on a trouvé un influenceur qui avait une audience hyper engagée. On a mis en place une offre qui intéressait énormément les abonnés de cet influenceur-là. L'influenceur a bien mis en avant notre site. Notre site était bien fait. On avait innové sur pas mal de trucs. Et on a fait 1 million de dollars en 24 heures. Quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu vois le compteur remonter? Parce que là, on voit juste les images de fin. Où t'es à 980, 990, à 1 million. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu vois le compteur remonter? En fait, au tout début, on a eu des bugs. Ouais. Donc, la première émotion, c'était merde. je suis en train de perdre tellement d'argent en ce moment parce que je vois le nombre de personnes sur le site, mais je ne sais plus exactement ce que c'était le problème. Les gens, ils ne pouvaient pas vraiment acheter, je ne sais pas quoi. Donc, on était en train de se prendre la tête, de gérer des trucs, etc. sur nos ordinateurs, toute l'équipe en même temps. Ensuite, on règle le problème. Et là, j'étais là, wow, c'est un truc de fou. Mon téléphone, il faisait que biper, la batterie elle était à sec en quelques dizaines de minutes parce qu'il y avait trop de notifications, on faisait je sais pas combien de milliers d'euros toutes les minutes, toutes les heures. Et c'était un truc de fou et je me disais, moi franchement ce que je me disais c'est tellement d'argent, waouh, c'est tellement d'argent. Je me disais qu'en une minute je me fais ce qu'une personne normale se fait en un an. Je faisais ce genre de calcul et j'étais là mais waouh. C'est un truc de fou.